Eh bien, bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, vraiment, ça va vraiment très très bien. Donc, ce soir, comme vous le savez tous, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je rentre à l'internat. Donc, les vidéos vont commencer à baisser un petit peu niveau nombre de vidéos par jour. Je sais pas comment on dit en français, désolé, hein, mais. Là, je me suis dit que comme ça fait longtemps que j'ai pas fait une Minecraft et que j'allais vous en refaire un petit peu, là aujourd'hui j'ai trouvé une map sur le PC de mon frère. Donc là, je suis pas sur mon PC parce que tout est emballé et prêt pour aller à l'internat. Je pars dans quelques heures. Donc j'en profite pour faire cette vidéo pour un petit peu pour le fun. En fait, c'est une map. Je sais pas si vous connaissez l'émission Total Wipeout. C'est une émission. Qui est construite autour de l'eau, et comme vous pouvez le voir là, c'est toute une map qui est faite. Ça passe sur les comment ça passe sur les télés, et il y a ça dans tous les pays logiquement. Et c'est les obstacles à courir dans l'eau, enfin, c'est un truc, c'est vraiment génial. Et j'ai trouvé cette map là vraiment, vraiment pas mal pour faire une vidéo de une vingtaine de minutes, je dirais, pour un petit peu rigoler. Donc, on va commencer. Hein. Je vais aller vous montrer un petit peu parce qu'il y a même des gradins pour qu'on puisse aller voir les autres concurrents le faire. Enfin, c'est vraiment génial cette map. Donc voilà. La zone, je sais pas comment ils appellent ça. Donc il y a même un compteur de temps, je sais pas comment il fonctionne, mais enfin apparemment ça met des chiffres, je sais pas si ça va, enfin soit. Donc j'ai activé les lumières aussi parce qu'on peut faire ça autant la nuit que le jour. Moi, je me suis mis en peaceful pour pas avoir de monstres et pour pas qu'il y ait de soucis avec les problèmes de redstone. Et on va aller à l'entrée. Enfin, au départ surtout. C'est vraiment très représentatif avec le jeu. Je trouve ça vraiment bien fait. On va prendre un truc de chaque. Je sais pas à quoi ça va servir. Donc là, c'est la table de score. Là, c'est les records apparemment. Donc je sais pas. Donc là, voilà le départ. Il me suffit d'attendre là. Vous allez entendre. Je vais monter le son du jeu pour que vous entendiez bien. On va mettre le son à fond. Ça va faire toun, 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 pip, et hop, ça démarre. Donc c'est vraiment bien fait. Et on va essayer de faire ça sans se prendre trop la tête. Je risque de crier quelques fois, vous inquiétez pas. Vous êtes prêts? Allez, go! Et c'est parti! Ouais! Bouf! Déjà failli crever. Allez, on fonce! Allez, on monte l'échelle. Non! Non! Bon, bah, je suis déjà tombé. Hein. Bon, apparemment. On doit courir. Oh putain, ça m'a poussé. Saloperie. Oh, ça va pas être évident, ça, je le sens. Allez! Oui! Arriver. Non, 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 non. Allez, on va sauter là, sur le premier pylône. Oh là là, un truc qui fait beaucoup de bruit. Hein. Je me suis cassé une jambe. Par contre, maintenant, on va baisser le son du jeu parce que le son des pistons là, ça fait un bruit de malade. C'est pas très agréable à écouter. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va passer dans les portes, je crois. Voilà, c'est fait. On va sauter. Ouais. On monte les échelles. Il veut pas. Non. Oh putain. J'essaierai de retrouver le lien où on a téléchargé cette map. Je demanderai à mon frère s'il y a moyen qu'il vous le passe, si vous avez envie de le faire. Donc, il y a aussi une version en multi, ça je sais bien. Donc ça peut être marrant avec vos amis. Donc ça c'est... Les portes, ça c'est aussi dans la vraie version. Là-bas aussi, c'est aussi dans la vraie version. Et ici, c'est les grosses boules. Je sais pas si vous connaissez. On doit sauter dessus. Oh. Non! Oh putain, je dois tout remonter en plus. Faut sauter dessus et c'est quasi impossible. Je sais bien que dans la version IRL, on va dire. Eh ben, les gens, il n'y a jamais personne qui. Enfin, il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes, en tout cas, que. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais vu personne y arriver. Ouais. Non! Putain.
Non. Allez. Mais il veut pas. Allez. Allez, on grimpe. Voilà. La première, ça devrait aller. Boum! Ouais, c'est bien. On va se mettre à la limite. Oui! J'y suis arrivé. Allez. À la prochaine fois, on y va. Oui! Oui! J'y suis arrivé. Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas sauté. Ça va être chaud, ça, par contre. Oh, ça glisse! Non! À mon avis, faut tout faire d'un coup parce que ça doit être casse-gueule. Donc par contre, si vous avez jamais vu ça, Total Wipeout, ça passe, pour ceux qui sont en Belgique, ça passe sur RTL, si vous... Merde, je suis sauté trop loin. Ça passe sur RTL de temps en temps, il y a vraiment moyen de se marrer, parce que souvent il y a même des best-of, des chutes et tout ça, enfin... Les gens, ils se font avoir, mais c'est exceptionnel. Mais allez, j'arrive pas. Regardez comme ça fonctionne. Oh, c'est génial. Oh, excellent. Oh punaise. Non. Oui. Non. Putain, allez. Donc par contre, je fais en même temps cette vidéo parce que voilà, je savais bien que j'allais rager un petit peu. Mais apparemment, la vidéo que j'ai fait hier avec Genz et Zub, bah, ça vous a plu, le fait qu'on délire un petit peu sur Dofus. Mais allez, c'est pas vrai, saleté de poule. Qu'on délire un petit peu, apparemment, vous allez bien aimer ce concept-là. Donc on pensait en faire... une fois de temps en temps, je sais pas, peut-être une fois toutes les deux semaines, une fois toutes les, ou tous les mois, on verra bien. Mais ça fonctionne vraiment bien, ce truc, c'est joli. Et on voulait savoir si ça vous plairait qu'on en fasse de temps en temps des délires, où on se retrouve avec plusieurs, merde, plusieurs youtubeurs sur la bêta, et qu'on fait des petites vidéos comme ça pour rigoler. Franchement, à faire, c'était vraiment génial avec notre petit accent ouais. Ouais, la famille. Wallach Bilal. Oh, oui, 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 oui. Il s'est arrivé. Je sais pas comment j'ai fait, mais... Oui. Oh là là. Ouais, allez. Oui, il s'est arrivé. Allez, 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 allez. Ouais, j'y suis arrivé. 4 minutes 39. Je sais pas, on va aller voir près du compteur. C'est la première fois que j'y arrive, hein. je vous le cache pas, pourtant j'ai déjà essayé... Merde. J'ai déjà essayé quelques fois. Oh, c'est pas remonté. Oh là là. Bon ben, c'est pour le souci de la vidéo, hein. C'est pas parce que normalement on peut pas péter des blocs, hein, mais... Voilà, c'est parce que j'ai pas envie de me taper tout le chemin. Voilà. On va aller voir notre score. Mais apparemment, on dirait qu'il s'est pas arrêté. S'il s'est arrêté. 5 minutes 1. Eh ben, quand je vois que le créateur, là, il a fait 43 secondes, je suis assez ridicule, j'ai envie de dire. Donc voilà, hein, c'était une petite vidéo fun. Donc aussi, ah oui, je voulais vous dire avant de partir, j'ai trouvé une map, enfin une petite map aventure que je pourrais faire durant l'année. Comme je vais essayer, hein. Normalement je crois que j'ai trouvé le moyen d'avoir Dofus, de pouvoir jouer pendant la semaine. Donc les vidéos de Dofus, ce sera toujours mercredi, samedi, dimanche comme on avait prévu. Et peut-être les autres jours, hein, je verrai bien si je suis pas, si je suis pas trop occupé avec l'école. Et sinon, bah, ce sera sûrement des vidéos de Minecraft le reste de la semaine. Peut-être une map aventure, je ferai peut-être un épisode tous les 2-3 jours, je verrai bien. Enfin soit, j'ai trouvé une aventure, il y a même les musiques qui vont avec, enfin, franchement ça peut être pas mal. Je vous en dis pas plus, je vous en parlerai sûrement dans une petite vidéo de présentation avant de commencer. Mettez-moi juste dans les commentaires si ça vous plaît, les petites vidéos fun un petit peu qu'on a eu avec Genz hier. Et si bah, ça vous plairait, hein, une petite aventure sur Minecraft, une petite aventure suivie sur une map aventure qui est vraiment pas mal. J'ai pas vu beaucoup de monde qui l'avait déjà faite, en plus elle est en français. Donc non, c'est pas The Map, la même que Diablo X9 dans Paris, vous inquiétez pas. Donc voilà, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut à tous!